cahier de vacances. Ces vacances ont eu un goût particulier, un goût de liberté. Il s'en est passé des choses, mais pour la première fois, je sens que j'ai vraiment profité et je vais te dire pourquoi. Au début des vacances, je me suis fait une summer bucket list qui m'a guidée tout au long de l'été. Le maître mot de cet été était « ose ». Alors, c'est avec cette envie d'oser que j'ai commencé mes vacances en allant chanter à un karaoké. C'était la toute première fois que je chantais dans un karaoké en public. J'étais vraiment heureuse. Ensuite, je me suis coupé les cheveux. Je t'avoue, je n'étais pas rassurée par la mini longueur, mais je m'y suis vite habituée. J'ai toujours voulu essayer le cinéma en plein air. C'est chaud soir. J'ai vu The House of Gucci avec Lady Gaga. J'ai aussi repris le sport. J'ai fait une séance de pilates une fois, j'ai senti tout mon corps. C'était dire. À la salle, j'ai recommencé doucement. Ma sœur m'a montré un exercice, je l'ai appelé la demande en mariage, vu la position. Avec la team P5, nous avons organisé un pique-nique dans le parc Nelson Mandela de Montreux-sur-Sèvre. On a bien profité du beau temps et de la nourriture, évidemment. À partir du 3 août, j'ai commencé une formation pour booster ma recherche d'emploi. Je me suis retrouvée avec 3 autres femmes qui galéraient autant que moi. La galère, ça rapproche! On a eu un atelier de photos professionnelles, la mienne est plutôt pas mal. Puis, nous arrivons au 6 août, c'était enfin l'heure du Ronquière Festival. Nous sommes arrivés tôt pour pouvoir voir Doria Day. La jeunesse danse encore. Après Doria Day, nous avons eu un peu de temps, nous en avons profité pour boire une petite boisson. J'ai pris de la bière, évidemment, c'est un festival. Ensuite, nous avons vu Charles, qui a une voix magnifique, mon Dieu, et puis Louan, et c'était génial. Je t'aime.
En fin de soirée, il y avait Eddie de Préto, que j'adore. Ses chansons ont vraiment beaucoup de sens, je trouve. Et puis, Julien Doré. Et nous avons eu la chance, mais l'immense chance, de voir Eddie de Préto et Julien Doré chanter « L'arme fatale ». J'ai adoré, ça a vraiment bien terminé la soirée. Si j'avais pas son bouton démarrer. Sur ma bouche, les arguments et les baisers. Je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher. Au milieu des torrents de médiocrité. Si la puissance a bien sûr mon oreiller, j'ai la lame fatale et j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme à randonner dessus. Elle est pas belle la vie. Aïe aïe aïe. Elle est pas belle la vie. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de l'os. Et puis, c'était évident, donc je te le dis, j'ai lu beaucoup. Et j'adore le design des quatre filles du Dr. March, c'est trop beau. Bref, j'ai passé des vacances au top. Je te laisse, le stage m'attend.